تيدي دي تولي انتي كيسا كزول في اللون نورال دي تيكلت نظن تسجيل تأسن قد إذا إذا كثير متوغة ثانومية ثانتوغة دوالا نسبطون مينوث النظن غف دكتور سيد سعدي دي سوفان داغن يوث انتوست 21 ديون فيرا ثاني مسمى أكاكي سوزل كان لطخ إبيديمي تابيديمي نظن نحن نوير تسلط ينس في اللاس نكينين ذا كمال لامباني موينير أزوف لك كمال زول رشيد الزوري كرانتي دولا أكمل قبل كان نحن نسلط ثوى السكين يدي خدم دكتور سعيد سعدي السكي 21 أونفير في نمو يسمى لوتر إبيديمي ويفان أدينا كان كينيس كسي كان يشودن غف فين من قام plainte pour diffamation par X. Nous renommons tout à l'heure plainte contre X, mais je dirais contre pour diffamation par X. C'est en sens inverse. C'est-à-dire qu'il y aura une attention de ce qui est. Il faut donner des choses comme celle qui est dans la question. Dans la question, dans la question, dans la question, dans la question. Il y a la plainte de la part de X contre Saïd Sadi. Donc justement, Saïd Sadi, dans sa petite contribution du 16 novembre, il y a justement un post dans son compte Facebook, il se met justice et opacité, le binôme toxique. Donc d'ailleurs, Saïd Sadi veut dénoncer, on peut dire, cette opacité, cette instrumentalisation, on peut dire, de la justice. Fanny Choudin, justement, il a fait la plainte de la part X contre Saïd Sadi. Donc, il a fait la chose de Wahim, la morphose de Trump qui dit qu'il dépose plainte, mais il a fait la plainte de la part de X. Alors, les avocats, Rohan et Wakina Dazar, nous avons fait la plainte, Gamana, si tu fais des informations. Donc, c'est vraiment, ça se pose des questions. Qui est derrière? Est-ce que Arached Tchoud Thalouft et la plainte, soi-disant, Bahlein, c'était en 2015. Anil Saïd Sadin a fait une intervention et Hadar Fainanan Salib Ben Bellar Kafi. Est-ce que Tchoud Vrani veut détruire la plainte à l'époque, c'est une autre affaire. Est-ce que X a la relation avec des services de sécurité de nous, dans ses interventions, qui ont relation avec ses analyses par rapport au DRS, par rapport à ce genre d'intervention, manipuline pour que soit disant s'attaquer et Saïd Sadi. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a l'instrumentalisation de la justice sous Mathem, Saïd Sadi, mais actuellement, c'est-à-dire la justice, elle est instrumentalisée et Wakin Dabou El-Zayer a dit sous-sum, Shreim Danen, Wilikit Naran, Wakin El-Zayer a dit un pays démocratique, il veut dire qu'il n'a pas la transition démocratique, il veut dire qu'il y a des sin, il y a un peu de temps. Donc, c'est la première fois qu'il y a une plainte de la part de X, c'est des analyses. Donc, il y a un des il a dit il a dit qu'il 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 a déposé déjà une plainte justement pour diffamation contre justement, il a défamé, il a pas passé flas, même ça, la justice le zère, jamais il a répondu par rapport à sa plainte. Donc, c'est pour ça que Saïd Sadi, il a parlé de la justice à la carte, il a parlé des injonctions occultes, il a parlé de la provocation,
Et il a parlé justement, et bon, la provocation, c'est clair, Rachid, nous a rappelé à chaque fois qu'il y a une lutte clanique ou ça où il se toujours il y a la Kabylie qui est leur terrain prédilection. Il y a une lutte clanique actuellement, surtout avec l'absence de Tibboune qui est à l'étranger, donc il se soigne. Donc il y a des luttes, il y a des repositionnements au niveau du sérail. Et c'est pour ça justement qu'ils s'attaquent pour créer un climat malsain, donc en s'attaquant ici, en s'attaquant Iwit, etc. Un climat malsain, à Qatar, il y a des rendements de compte, il y a une lutte clanique. Donc, Winnet a dit en même temps, l'affaire de la diffamation est grave, l'affaire de justement de la justice, il n'est dit cela comme une tribune politique, et aucune. Justement, Guillaume, il va exprimer sa vision les tribunaux. Voilà, Rachid, c'est comme si tu as certi au niveau des tribunaux et aucun colis ou Guillaume, il dit Rayes Dina. كا كمال تنمير ثلاثة غنو غالي ما تسوستك يعني خدمة سكين 21 ونفيرت إني إسمعت كي نظن لطخ إبيديمي في إبيديمي نظن ثيض دونك ويفن كمال دينير دا شوفن لي بوان إسانسيال إدي لن ذك تسوستك يعني Justement, déjà, Rachid, déjà, je viens de dire que justement, déjà, le titre de la contribution, l'autre épidémie, a dit famille, ça a dit, l'autre épidémie, il veut sous-entendre la crise sociale, à Khatar, donc, cette crise sociale, il peut engendrer pas mal de situations négatives. Donc, c'est pour ça que justement, ça a dit, et je doute la nécessité d'organisation. Donc, il sera pour Yuan, il va s'organiser, il doit qu'il soit protégé, qu'il soit aidé, et donc le COVID-19. Donc, il a une précarité, il s'agit d'une précarité économique et financière, il ne faut pas céder à la panique. La première vague, la pandémie Nilan. Donc, il y a eu quand même une certaine organisation. Les Imdanen, ils sont entrés d'IRSN, Aounen, leur propre confinement. Il y a une certaine organisation. Donc, ils ont sauvé quand même des vies humaines devant la faillite de l'État parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les hôpitaux, Nilen, faute d'une mauvaise, donc d'une bonne organisation. Donc, il a dit, Imdenen, il sera droit vers l'auto-organisation, il sera d'organiser immense. Et surtout, ça, à chaque fois, justement, il fallait actionner, on peut dire, les anciens réflexes, les structures traditionnelles, Nilen, et la solidarité, oui, ils ont des actionner, de les faire fonctionner, et aucun, justement, des câbles, ils ont des suites à voir, déjà, tu as arraché Billy, à chaque fois, les réseaux sociaux prennent pour des condoléances, pour annoncer des décès, ou à pas s'il a imdanen à cause de la vérité, les véritables chiffres ne sont jamais donnés. Donc, surtout, les sont vraiment touchés. À Khatar, il devrait avoir un dysfonctionnement quelque part, donc il n'annonce pas les véritables chiffres et c'est un drame parce que on a l'impression qu'il y a une perte de contrôle de la gestion de cette pandémie et donc ça devient dangereux. L'auto-organisation, de la voix de la sagesse, de la citoyenneté et c'est pour ça qu'à mon avis, Saïd Saïdi, ces derniers temps, il a axé sur cette question-là. T'as déjà autant que médecin, ils ont à peu près les choses, comment ça fonctionne sur un plan sanitaire. Certainement, ils ont des informations de la part de ces collègues, médecins, etc. Certainement, ils ont des informations fiables, ni justement, on commence à perdre le contrôle par rapport à cette gestion de la pandémie. Donc, il y a urgence à dire pour sauver des vies humaines. Et c'est pour ça, justement, ça, ils ont dit, il a parlé de la question d'organisation, la question d'appeler à la solidarité et où qu'il قبل attend à خاطر mala chimel تسويع اني il n'y a pas d'organisation pour affronter cette question-là à tassim den dimeth à droit nakin
et surtout les personnes sensibles qui ont des maladies chroniques, les qui sont âgées, ou qui sont exposées au danger, à tassim denen et mouzen, à khatoruz med kablen, parce que c'est une question d'immunité donc du corps, c'est une question naturelle, mais là, il est en bonne santé, donc il se met des kablen à l'aïk, mais là, il est déjà l'aïk, il est âgé, etc. Le corps est de taqof, donc il est exposé, il est une personne à risque. Donc, je dirais justement, ça a dit, il a parlé justement de la question d'organisation, qui est de la solution de base, qui est de toute la base de tout, c'est la question de d'organisation. Donc, il est de justement par rapport à la première vague de Mougan, il peut être renouvelé pour cette vague-là, pour réduire justement la détresse Nildan, Yimdanen, Wahid, Birikinel, justement, ils sont vulnérables, fragiles. Donc, là, c'est-à-dire justement la création des caisses. Rachid, justement, c'est important. Il fallait faire des caisses pour soutenir justement qu'il fallait anticiper. Et c'est vrai, réellement, la gestion, c'est l'art d'anticiper. Il fallait anticiper. Donc, M. Rajaïm al-Hashim, il va créer une situation incontrôlable. Il va créer cette chaîne de solidarité. Justement, ce genre d'organisation, de solidarité. Il paraît qu'il va créer une certaine mémoire positive où il va valoriser justement des liens intergénérationnels. Un jeune Wassa Nilan, il a participé à l'opération et ça a dit une aide d'une opération positive. Donc, il paraît que Nilan, c'est un futur citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs et il va le transmettre comme valeur ajoutée dans l'avenir collectif. Donc, voilà, Rachida Kassou, maintenant, je vous justement la nécessité d'y aller vers l'organisation ou qu'elle est capable de la suivre. Tenmi fait Kamal, ce que c'est un problème gamin, Kamal, docteur Sadi, il n'est qu'un nouveau allen, a eu une fille technique ou une fille artiste seulement. Il n'est que c'est d'une qualité d'une franciste, une faiblesse interne appelle toujours à des convoitises extérieures. Des choses mais un vrai ce nouveau allen qui est un Kamal. ça c'est ça je vois dans la situation ni tafarta rachid une faiblesse interne appelle toujours à des convoitises externes il va dire ni bli justement c'est avec la solidarité il faut pas dire jiun amdan illa uhdas a khatar ma illa youn taish gsmti donc dans une société ani ishusimanis jenef donc amidili il va être sensible et l'appel du biais de l'extérieur. Donc, il peut être manipulé, que ce soit par le pouvoir, par d'autres. Donc, c'est pour ça que, justement, ça a été dit, il faut créer cette solidarité-là, créer ces caisses de soutien. Il ne faut pas dire qu'il a été lâché. Donc, c'est pour ça qu'il y a un être qui se sent abandonné par les siens est un agent potentiel dont peuvent jouer les forces du mal. Donc, c'est pour ça que ça a été justement, il a rappelé à chaque fois, réitéré, il fallait faire fonctionner justement ces structures-là traditionnelles, cette idée-là de solidarité, ni l'un surtout une valeur, que ce soit grâce à l'outil algérien de manière générale, mais surtout, ce genre de structures traditionnelles, de ces liens-là, donc, oui, de les valoriser et de les réactiver. Donc, oui, net d'arrêter, ce genre de situation, c'est-à-dire cette crise sociale, cette misère sociale, cette condition-là, il n'a pas été provoqué ou manipulé, il a toujours cette misère sociale a souvent engendré tawid, un mad les émeutes, un mad les pillages, donc c'est une question de survie. Et oui, donc ce genre de dérèglement, les maladies à Taoui, ils n'ont pas de militaires, des alibis des régimes autoritaires pour reprendre la main. Donc, il y a un climat de violence arrachée, de terreur.
دونك ام دانا شو دي دور دي دور من هذا في سليك بور كيل سوا اون سيكوريتي دونك ذا شوان دونك اللي ديو باللي ذا بول الجزائر كي فاس بروبوزي بور كيل فا ريتابلير لوردر دونك كيل فا سو ريبوزيسيوني كيل فا انترفونير يوكن ام دانا نهنا الجانب اللي ارواح كانوا ني مناسي كان هكا كان هكا دونك يل فا سو ريليجيتيمي اون فيزون انترفونير ادابو الدقل يوكن 9 امشانيس يل فا سو ريليجيتيمي كيلك بار خاطر ديو في امدانن توف بلي داين داين لا فورس ايزمرن لا فورس دي بوفوار ايزمرن ديس اني عاوني وكنا دقلن اي والنار وين سايت سادي جوستمون ان بلي اون شينوا لا كريز فو دير اون اوبورتونيتي دونك سي بور سا سايت جوستمون ان بلي دون سيت كريز لا جوستمون لا بانديمي ان دي وي جوستمون يروح يون بور روسو دي ديليان دونك وي ديون ادي يروح يون وكنا الدقل عدز زعما سنين الخيط نتقمات يا ريم دانون خاطر يقراك الديسبوتيزم توجور ديفيزي اي اسيرفي لي جون دونك سي بور سا جوستمون اي لوي ديون اسيكسيون زعما سنني اسيكسيون زعما سنين الخيط نستخدم وذابو لي ريجيم اوتوريتير دو مانيير جينيرال يوكن جوستمون ايل فون ريفونير بور دوميني la société ou ça est dans le général tu crois que après la protection sanitaire donc on est où dit on déhade y on immunise et aucun attaque justement la halakh nilan il n'est plus la solidarité sociale il s'impose désormais comme deuxième urgence du pays donc il se qualifie également comme une deuxième priorité par après la protection sanitaire où il n'est plus la rente dans la société humaine et correct toutes les questions d'organisation. Donc, c'est-à-dire, Issaïd Zadid, voilà, Billy, Koulchirouh, il faut une organisation où il y a des parties, Irvelen, Nizmere Dili, et surtout dans le contexte actuel de la pandémie mondiale. تنميه كمال لكن نسعى سخيرن جيرون دويني ديكتوم تنميه ويفنا دينا كمال ذيشو ثني يلموذن يلموذن لزنسينيمون إزماد نسوفا سي تاوى سكير دكتور سعيد سعدي تكنيضان ديفران أسن 21 أونلاين. في زورا رشيد جبدا ثمسات نزمي ديكسيون بارابور على كيستيون دو لا كونفاكسيون سعيد سعدي بور دي كيستيون دو ديفاماسيون بار اكس. ما سي نوفو دون لا جوستيس الجيريان. دا شو ديكسيون دونك يا توجور لاستيموتيزاسيون دو لا جوستيس ا دي فان بوليتيك. يا اون مي سا ترادوي ان كيتوالا كينا سا ترادوي اون لوت كلانيك. خاطر بغان توجور هاد السلاق نتاع وين هي هي الكلان كاثي وكان دي الصغلي ويوت سو ريبوزيسيوني وتوالا بلي توجور ثمرة القبايل ثويني ذا النار وكان دناغون دونك سي بور ساك جوستمون لا فيجيلونس سامبوز لا كابيلي نو دوا با سومباركي دون سيت لوت كلانيك لا كابيلي تحواج لا سيرينيتي تحواج une situation paisible de clarté sur la ville sur la tanarit tanarit ntikhtiwin ماشي tanarit la force ça se dépasser la question de la force تقيمت ثورا تيمغلي ثورا الطاس يمدنن ان لا نيسون ils ont la capacité quand même d'analyser donc au dewara yone addik chmiwon tkhfnsn tkhfnou dabou la question de la violence ça c'est ma kriwon de côté définitivement la kabylie ne doit pas s'embarquer dans la violence خاطر ساعه الحاجه اللي نزمرن السيفازال وزمر الصوت تيكي وينيس يسوي انسان سي الديبا دونك سي اون بو دير الديبا دي زيدي اي نون با لا غير بار لا فيولونس وذا غنت زعما تدي فهم جوستمون يوان جوستمون لا كيستيون جوستمون دو لاستيموتاليزاسيون de la violence où le pouvoir il va revenir la question de la solidarité il s'impose justement pour affronter la question de la gestion de la COVID-19 donc c'est pour ça que justement il a cassé des roches vers une organisation de réactiver ces structures traditionnelles et surtout de sauver des vies humaines si l'urgence. Mais de chou, toujours, il suit ni l'un, il suit politique de manière générale, c'est que Thamrat Lkhbaïd n'a pas toujours
il est dit une commune hier frappée ni ça a dit c'est que غار سعيد سعدي ساعاتي مغلي في الجزائر سمات لها فرحاتي سعيد في نط القبائل ذا شو زمردنيني باللي اشي لاند كوما سي كو ثمرات القبائل ثمره القبائل الى قاسي بور بريزون انستيتيوشن سواء دون ان كادر دو لالجيري يونيتير دون كادر فيدرال و دون ان كادر دو تومي ريجيونال ني يا لي فير دو دوميناسيون سي دوتر كيستيون باسكو سي كيستيون دو دروا انترناسيونال اي كيستيون دو لونو اكسيترا. C'est une question un peu complexe qui pourrait prendre plus de temps, etc. Ça dépend du contexte international. Mais d'Achillen, Touran, Ilan et Sven, c'est que la Kabylie, il y a un d'abord qui s'organise pour affronter la question de la pandémie parce qu'il est question de survie. Mais d'Achillen, Ilan, à court et moyen terme et à long terme, c'est la question de doter la Kabylie de ses propres institutions. La contribution de la pandémie, de l'organisation, de créer une caisse de soutien. Il ne faut pas dissocier, il est isolé, il peut être récupéré, être manipulé par d'autres forces extérieures. Et c'est pour ça justement, Rachid, la question justement, justement, et la question de. Oui, Dina Saïd a dit, il faut faire de la question d'interne et d'externe. Tellement que mal, la question de cette guerre, on s'en a dit, on a dit que le docteur Saïd a dit, il faut que l'autre épidémie est différente, c'est qu'il y a 21 envers. Si on a dit, il faut que l'on 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 a dit,